de trouver encore un nouveau modèle de prostitution qui existe depuis longtemps, le Sugar Daddy. C'est ça maintenant, 2 jours là. C'est Sugar Daddy, Sugar Daddy. Mais Sugar Daddy là même, ils sont où? Les hommes qui distribuent les 1 million aux femmes là, où ils sont? Parce que nous, on ne sait pas où ils sont. Nous autres là, les filles qui sont dans notre entourage là, elles ne savent pas où ils sont. Montrez-nous où ils sont. N'importe quoi. C'est n'importe quoi. Je ne peux pas comprendre que des filles soient encore dans ce rêve-là. Oui, nous autres là, nous sommes là pour vous encourager à aller travailler. Allez travailler de vos 10 doigts. Parce que les distributeurs de millions là, ils sont pas, ils ne courent pas les rues. Et puis pour que le Sugar Daddy là, il vienne vers toi pour te distribuer, c'est-à-dire le million que tu attends là. Ma chérie, il faut être la classe d'une femme de Sugar Daddy. Oui, c'est ça. Il faut être une certaine catégorie de femme. L'homme ne va pas te croiser, c'est-à-dire au hasard d'une rue là. Et puis il va venir te distribuer les millions auxquels tu rêves. Mais réveillez-vous de votre monde. Qu'est-ce que vous croyez? C'est la même prostitution là. C'est la même prostitution dont on est toujours en train. Donc, nous autres, là, nous, on ne peut pas vulgariser la prostitution. On ne peut pas. Papa de quelqu'un qui vit là-bas, qui a lui sa famille, toi, tu rêves qu'il rentre dans ton périmètre pour que lui te distribue ses millions, pour que toi, tu lui donnes ton sexe. Parce que c'est ça. C'est le sexe, là, que toi, tu vas lui donner, puis lui, va te donner les millions. Mais ils sont où, comme j'ai dit? Vraiment, vous êtes pathétique. Oui, c'est ça. Vous, cette catégorie de femmes-là, vous êtes pathétique. Réveillez-vous de votre monde, je l'ai dit. Et je vais continuer de le dire. Parce que nous autres, là, on ne peut pas encourager ça. Il y aura d'autres qui vont vous encourager. Malheureusement, même quand elles sont en train de vous encourager, c'est dans l'illusion qu'elles sont en train de vous mettre. Oui, c'est ça. Ces femmes qui encouragent d'autres femmes à aller avec des hommes, sous prétexte que ces hommes-là ont l'argent, aller avec des hommes qui sont nantis, on est en train de vous mettre dans l'illusion. Oui, c'est illusionniste. Parce qu'ils sont où? Ils courent les rues? Ils ne courent pas les rues. C'est pour ça que nous autres, là, on encourage des femmes à aller se battre, des femmes à se lever avant n'importe quoi en dehors de leur corps pour pouvoir s'assumer. Oui, j'ai dit, on a parlé des droits de la femme. Toi, la femme, aujourd'hui, là, tes droits, ton respect passe par ton travail. Si tu n'as pas encore compris ça, et puis tu penses que c'est dans la prostitution. Oui, si tu le fais que tu penses que ce n'est pas la prostitution, c'est la prostitution. Pareil. Mais comme j'ai dit, la prostitution, c'est le vieux métier. Mais c'est pas pour autant qu'on va vulgariser ça, parler de Sugar Daddy, c'est n'importe quoi. Réveillez-vous. Vous, ces filles qui êtes là-bas, là. Parce que c'est vous. Quand nous, on regarde sur les réseaux sociaux, là, c'est vous qu'on retrouve dans ce genre de commentaires. Je vais le dire encore. Vous, ces filles qui êtes en Afrique, là, c'est vous qui rêvez comme ça. Réveillez-vous, mes soeurs. Réveillez-vous. Comprenez que tu peux aller chercher pour toi. En allant chercher au hasard d'une rue, tu peux faire une rencontre. Comme j'ai dit là, les hommes mariés là, c'est 2 personnes qui sont adultes. Donc moi, je ne suis pas là pour critiquer ça. Mais de là à ce que vous pensez que vous allez croiser quelqu'un aujourd'hui qui va vous distribuer des millions pour que tu croises un homme et puis il va te donner des millions aujourd'hui là. C'est-à-dire que toi-même là, tu es de la catégorie de cette femme là. Femme quand on croise aujourd'hui et puis on lui donne millions là. Ça veut dire que toi-même tu as déjà, ça veut dire un bagage qui est à côté. Mais si tu es une femme genre en bas des bananiers et puis au lieu d'aller chercher pour toi, tu es là, tu rêves là. Ouh, réveille-toi. Réveille-toi de ton monde. Parce que ça là, c'est comme si, ça veut dire tu es sur une planète et puis tu es en train de rêver comme Alice au pays des merveilles. Donc votre affaire de Sugar Daddy là, c'est un rêve. Vous êtes là. Vous, ça veut dire, vous vous mettez encore dans le noir. C'est une forme d'obscurantisme, comme on dit. Hein? Vous vous mettez encore dans l'obscurité. Réveillez-vous, les jeunes filles d'aujourd'hui. Nous tous, là, comme j'ai dit là, ce n'est pas parce que tu es dans la pauvreté que tu vas penser que le sexe va régler tes problèmes. Le sexe, là, ce n'est pas ça qui règle nécessairement tous les problèmes. Donc, votre affaire de Sugar Daddy autre là, c'est du vent. Des hommes qui distribuent là aux femmes des millions, là, c'est parce que la femme est la catégorie des millions. Donc, si toi, tu n'es pas encore arrivé à ce niveau-là, travaille à la sueur de ton front pour avoir pour toi. Kounyere Gadedi.